Mon nom est Marcel Leboeuf, je suis natif de Lévis, ça fait 45 ans que je suis comédien, ça fait 20 ans que je suis conférencier. J'ai personne dans ma famille qui était comédien ou comédienne. Mon père travaillait pour les chemins de fer, on est quatre frères. Donc, maman s'occupait à temps plein de nous autres à la maison, tout ça. Sauf que j'ai un oncle, Roméo Saint-Pierre, qu'on m'a toujours dit que c'était du côté de mon père, un cousin à papa. On m'a toujours dit que lui, il faisait du théâtre des fois à Tourville, puis à Sainte-Perpétue, tout ça. Puis on me disait souvent, ah, quand on te voit sur la scène, c'est mon oncle Roméo, tu sais. Et puis, j'ai vu des photos de lui, tout ça, effectivement, tu sais. Alors, peut-être que je tiens un peu de Roméo Saint-Pierre. Il y a peut-être de ça. Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement gêné. Donc, je pensais pas que c'était pour moi. J'aimais aller voir du théâtre, mais en faire, c'était une autre paire de manches. Alors, je me suis inscrit, moi, au cégep de Nelgros, en 1972, en lettres. Je voulais devenir journaliste. Alors, je m'inscris en lettres, tout ça. Puis, la chose, c'est qu'au cégep de Nelgros, en 72, on faisait nous autres même nos horaires. Alors, dans le gymnase, il y avait d'immenses tableaux. Sur chaque tableau, tu avais 25 espaces, mais 25 noms. À 8 h le matin, ils ont dit aux étudiants et étudiantes, go! Alors là, on se garochait ces tableaux parce qu'on avait une feuille dans nos mains. Puis à chaque fois qu'il y avait 25 noms sur un tableau, ils fermaient le cours. Fait que moi, je vais remplir les cours que je pense les plus importants pour obtenir tous mes crédits. Et le dernier cours, à la fin, je m'étais fait un horaire qui avait du bon sens, mais le dernier cours qui entrait dans mon horaire, je n'ai pas le choix de le prendre. C'est un cours de théâtre d'improvisation donné par une comédienne qui s'appelle Sophie Clément. Alors, ça ne fait pas un mois que j'avais commencé à suivre ce cours-là. Je me rappelle très bien, c'était le 5 octobre 1972. En fin d'après-midi, elle me garde après la classe. Et elle me dit, arrête de niaiser, tu devrais devenir un comédien, tu as le talent pour faire ça. Et ça, c'est vraiment, là, c'est un moment hyper important. Sophie, elle était très importante pour moi. Parce que ça m'a comme donné le go. Moi, j'avais dit à Sophie, mais pour être comédien, là, c'est bien beau que tu me dises que je peux faire ça dans la vie, mais elle m'avait dit, l'idéal, c'est ça que tu fasses une école de théâtre. Fait que, OK, mais il faut faire quoi pour ça? Bien, il faut que tu prépares des auditions. Ah, hein? Alors, j'avais deux scènes d'audition à préparer. C'est Gaétan Labrèche, le père de Marc Labrèche, qui m'a aidé à préparer mes auditions. J'ai été accepté à l'École nationale de théâtre. J'avais été accepté à Sainte-Thérèse aussi, qui a une option théâtre au cégep de Nelgros. Mais comme ça faisait déjà 2 ans que j'étais là, parce que moi, j'ai été accepté pour rentrer à l'École nationale en 74, à l'automne de 74. Alors, donc, je passais 2 ans au cégep. Alors, je me suis dit, je vais vraiment me lancer à voir si vraiment j'aime ça. Donc, je me suis inscrit à... j'ai accepté l'invitation. J'avais passé l'audition. Donc, accepté. Alors, je suis allé à l'École nationale. J'ai fait un cours de 3 ans. Je suis sorti en 77, donc, de l'école. Sophie Clément, qui a été extrêmement importante, parce que c'est Sophie qui m'a dit que je devrais faire ce métier-là. Gaétan Labrèche, bien évidemment, parce que Gaétan, c'est avec lui que j'ai répété mes scènes. Et Gaétan me donnait la réplique. J'ai eu Jean-Louis Millette, qui a été important pour moi, avec qui j'ai fait du théâtre d'été, à Eastman, entre autres. Marcel Sabourin, il y avait un paquet de personnes. Hein. Mon premier rôle à la télévision est arrivé de par la Ligue nationale d'improvisation. La Ligue nationale d'improvisation, la LNI, c'est un jeu qui est inventé, entre autres, par Robert Gravel, Yvan Ponton. Ça a commencé en 77. Moi, j'ai commencé à jouer à ça en 78. Les gens qui venaient voir ça au tout début, il y avait beaucoup de metteurs en scène puis de réalisateurs. Alors, c'est comme ça, moi, que j'ai eu ma première série télévisée grâce à la Ligue nationale d'improvisation. Le réalisateur était venu me voir jouer là-dedans. Et puis, m'a appelé après pour dire, hey, j'aurais un rôle pour toi dans un affaire qui s'appelle Les Moineaux chez les Pinsons. Alors, c'était un texte de Georges Dor, tout ça. Puis, fait que je me suis retrouvé à jouer Jean-Jacques Moineau. Il m'appelait, je faisais un moineau dans ça. Fait que, voilà. Ce métier-là amène à plusieurs choses. Alors, pour gagner notre vie, entre autres au Québec, bien, c'est très, très, très connexe. Que tu vas être demandé pour faire de la TV, probablement faire du cinéma aussi. Mais aussi, tu vas demander pour faire des annonces. Ça peut arriver, mais c'est ton choix. Quelqu'un peut décider de faire ça ou pas le faire. Il n'y a personne qui te force, personne qui dit avec un gars, tu vas faire des annonces, c'est pas ça. Mais bon, mais dans
différentes circonstances, ben si tu as une famille, tout ça, tu as du monde à faire vivre et tout, ben il faut bien que tu gagnes ta vie. Alors, il y a une multitude de choses. Puis un jour est arrivé dans cette multitude de choses-là, conférencier. Moi, j'avais passé à l'émission de Michel Jasmin. Michel Jasmin, si vous vous rappelez, c'est quelqu'un qui faisait des entrevues avec les gens. Puis Michel avait fait une entrevue avec moi. On est en octobre 2000. Et après cette émission-là, il y a des gens dans le domaine de la formation qui donnaient des conférences, qui m'ont vu, puis ils m'appellent. Après ça, bon, écoutez, Marcel, on aimerait ça vous rencontrer. On aimerait ça que vous deveniez un conférencier. Moi, j'avais jamais pensé à ça, une conférence. J'avais dit à ce monde-là, qu'est-ce que vous voyez de moi, que je ne vois pas nécessairement. Mais on dit, tu as parlé de travail d'équipe, tu as parlé de service à la clientèle, tu parles d'un paquet d'affaires, mais surtout, tu parles de tout ça avec passion. Fait qu'on aimerait ça que tu te promènes, tu parles de la passion. Fait que j'ai fait, OK, parfait, je vais écrire quelque chose. On me demandait de faire une heure à peu près. Ce que ça venait faire, ça, dans ma vie, moi, j'avais un grand rêve, c'était de faire un one-man show. Alors là, je me disais, sacrifice. Je vais essayer une conférence si j'ai une heure à faire à parler devant du monde. Si je me casse la gueule, ça sera une fois, une heure devant des gens, puis ça sera fini là, tu comprends? Mais j'ai pris plaisir à ça. Après ça, un moment donné, on m'a demandé de faire des une heure et demie. J'ai déjà fait des deux heures, j'ai déjà fait des quatre heures, presque non-stop à parler, avec des thèmes et tout. Fait que là, j'ai fait, waouh, ça c'est génial. Et puis, ben c'est comme ça qu'il a conférencié depuis 20 ans. Je suis rendu à 3000. 27 conférences de données. J'en ai donné pour Hydro-Québec, j'en ai donné à Impôts-Canada, Impôts-Provincial, j'en ai donné partout, j'en ai donné en prison, j'en ai donné pour l'armée canadienne, j'en ai donné à tout le monde. Mais aussi pour toutes sortes de causes. Et des fois, des événements, des levées de fonds. Et entre autres, j'ai donné une conférence à Tourville. Là, on m'avait engagé, c'est dans le cadre du centenaire. Puis j'avais parlé, on avait été dans le bois aussi, parce que moi, j'ai des terres à bois. Comme mes parents et mes grands-parents sont natifs de Tourville, mais là, cette fois-là, pour moi, c'était bien émotif. Moi, mon papa a travaillé 46 ans pour le Canadien national et à cette époque-là, le chemin de fer passait dans Tourville. C'est une voie de, la voie de chemin de fer partait de Charny et ça allait jusqu'à Edmundston au Nouveau-Brunswick. Alors donc, quand cette ligne-là, au début des années 1900, a été construite, bien, s'est créé des petits villages tout au long de la ligne de chemin de fer, dont Tourville. Puis Tourville, pour le chemin de fer, bizarrement, ça s'appelle Monk. Alors, il y a bien des gens qui connaissent Monk, qui ne connaissent pas Tourville, et l'inverse aussi. Hein? Alors, le fait de me retrouver, moi, à Tourville, j'ai passé mon enfance puis mon adolescence là. Comme on habitait à Lévis, puis mes grands-parents restaient toujours à Tourville, mais moi, jeune adolescent, j'allais à Tourville très souvent. Moi, la chance que j'avais quand j'étais jeune, c'est que comme mon père travaillait avec les chemins de fer, j'avais mes passes. Alors, je pouvais embarquer dans le train n'importe quand, n'importe où. Alors, ça, c'était génial pour ça, tu sais. La préparation d'une conférence, dans les premières années, quand je faisais ça, bien évidemment, quand je m'en allais chez nous, un coup, j'avais parlé avec le client ou la cliente d'une entreprise ou d'un organisme. Là, je m'en allais chez nous, puis je faisais les grandes lignes. Mais j'y allais surtout avec mes histoires. Puis mes histoires, je n'avais pas besoin de les écrire, je les connaissais, je suis capable de les raconter. J'ai découvert que je pense que j'étais un bon raconteur. Fait qu'à travers ces histoires-là, bien, j'allais chercher aussi la matière de ce qu'on voulait entendre, tu sais. Comment, moi, Marcel Leboeuf, je vois ça, le travail d'équipe? Comment je vois ça, moi, le service à clientèle? Parce que je l'avais appliqué à un théâtre, tu sais. Et je n'avais pas nécessairement ces mots-là, mais j'expliquais de quelle façon, moi, je voyais ces thèmes-là, tu sais. Et puis, donc, je mettais les grandes lignes. Les premières conférences que j'ai données, j'avais une feuille, mettons, sur un lutrin. Puis là, j'avais mes grandes lignes. Donc, pour ne pas me perdre, à un moment donné, tu parles, à un moment donné, tu pars sur une idée, puis là, tu ne veux pas te perdre. Fait que je pouvais revenir sur ma feuille, je savais, tu sais, mais je n'écrivais pas le mot à mot dans mes affaires, parce que j'irais avec des histoires que je racontais. Alors, j'ai entrepris depuis le 16 avril 2020 un one-man show. Quand est arrivée la COVID, malheureusement, bien, la pandémie, tout s'est arrêté pour nous autres, les comédiens. Et surtout, moi qui fais beaucoup de théâtre, mais là, les diffuseurs, les gens qui engagent pour faire venir les spectacles dans les différents coins du Québec, voulaient avoir peut-être juste un comédien, une comédienne sur scène, tout ça. Fait que je me suis dit, ah, voilà le bon temps pour me faire mon one-man show. Alors, mes producteurs, Mario Provencher puis André Robitaille, ceux qui produisent mes pièces depuis une dizaine d'années, ont fait, hey, Marcel, on est prêt à produire quelque chose avec toi d'un one-man show.
Luc Sonnet a fait la mise en scène, mon bon chum comédien, il a fait la mise en scène. C'est un gars qui s'appelle Frédéric Redé qui a fait la musique, parce que j'ai 5 chansons dans le... Dans mon one-man show, j'en ai 4 originales. Les paroles sont de Luc Sonnet, la musique de Frédéric. Puis j'ai une chanson de Fernandel que je fais en ouverture et en fermeture. On a commencé en fait la première le 22 janvier 2020, mais on n'a pas pu jouer avant le 16 avril à cause de la COVID. J'ai différentes passions. Oui, mon métier me passionne, bien évidemment, mais moi, c'est mon grand-papa maternel qui m'a transmis l'amour de la forêt. Alors, en partant de là, parce qu'à Tourville, il y avait des terres à bois, puis il m'amenait sur ses lots à bois, tout ça. Puis un jour, il me les a donnés, ces terres à bois, tu sais. Fait que donc, ça a parti de la passion. Mon amour de la forêt, je peux transposer ça dans toutes les autres affaires que je fais. T'sais? Mais si t'aimes la forêt, t'aimes aussi la culture, donc t'aimes l'agriculture. C'est pour ça qu'un jour, ici à Saint-Hilaire, parce que j'habite au Mont-Saint-Hilaire, j'ai acheté un terrain derrière chez moi, 1 hectare qui allait être supposément transformé en condo. Puis moi, je trouvais que ça n'avait aucun sens. Et ça appartenait au peintre Ozias Leduc. Alors, j'ai racheté sa maison puis le terrain. J'ai redonné la maison pour faire un musée. Il y a maintenant un musée Ozias Leduc. Et le terrain, j'ai enlevé les pommiers qui étaient malades parce qu'Ozias faisait de la pomme. Puis je me suis parti un petit vignoble. Naturellement, j'ai aussi une cabane à sucre. Parce que mon grand-papa, il a eu ça, une cabane à sucre, quand j'étais petit gars. Alors moi, si je peux pas vivre sans faire du sirop d'érable, c'est dans mon ADN. Moi, je rentre dans une cabane à sucre, puis je viens en transe, c'est pas compliqué. J'aime ça, faire du sirop d'érable. Donc, c'est toutes ces passions-là. Puis il y a peut-être même des passions que je sais même pas encore que j'ai, puis je vais les avoir tout à l'heure. Ma fille Laurence, comment est-ce que ça se fait qu'elle est devenue comédienne? Une des choses, entre autres, je pense que... Comme j'avais un théâtre d'été que j'ai eu de 1989 à 2004, un théâtre d'été que j'ai fait construire, genre on avait 660 places, et j'avais comme partenaire Normand Chouinard. Mais Laurence, là, elle, petite, là, à partir de l'âge de 4 ans, elle venait voir toutes les pièces de théâtre. Alors, elle faisait quoi? Avant que la pièce commence, elle nous aidait à placer les costumes, et à regarder les pièces de la coulisse, elle nous voyait avoir du plaisir. Normand Chouinard, Martin Drainville, Suzanne Champagne, Pauline Martin, elle nous voyait rire. Elle voyait qu'on s'amusait en travaillant. Hey, Thibaut, elle, c'est sûr qu'elle veut faire ça plus tard, tu comprends-tu? Moi, je l'amenais sur des tournages, mais sur Chop Suey. Je l'avais amené sur Minibus aussi. Puis quand André Robitaille animait Vasimolo, elle venait voir ça. Donc, elle a toujours baigné là-dedans. Normal qu'à l'âge de 11 ans, elle m'en ait dit, papa, moi, je veux devenir une comédienne. Tu comprends? Ma plus grande fierté à travers le métier que je fais, c'est de rester, d'être capable de continuer de gagner ma vie après 45 ans là-dedans. Parce qu'à un moment donné, tu n'es plus la saveur du mois. On ne se cachera pas là, que, tu sais, à la télévision, entre autres, c'est beaucoup le monde de 30, 40, 50 ans, là, tu sais. Tu sais, t'es moins en demande, tout ça, tu sais, c'est dommage, c'est triste, puis on n'est pas préparé à ça. Mais je réussis quand même encore à gagner ma vie à travers ce métier-là, donc ça, c'est sûr que ça me rend fier, t'sais. Mais au-delà de ça, au-delà du métier, puis tout, ma plus grande fierté, bien, c'est mes enfants. Bien, en fait, c'est nos enfants, parce que j'ai eu Laurence avec Diane Vallée, puis mes deux gars, bien, c'est avec Lise Martin, avec qui je suis, qui est comédienne aussi, t'sais. Donc, ma grande fierté, c'est qu'à nous trois, on a 3 enfants, puis qui sont des belles personnes, tu comprends? Ça, c'est ma fierté. Ouais. Alors, ce que je souhaite, moi, pour la suite, c'est de, tant que j'ai la santé, d'être capable de continuer à faire ce métier-là, d'être capable de le faire le plus longtemps possible en santé.